Vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait bien qu'Hollande nous dise, écoutez, voilà, je ne me représenterai pas, soyez-en sûrs, et maintenant je vais tout faire pour le pays, sans penser à mon éventuelle réélection, s'il y croit encore. Parce que vous pensez qu'il y croit encore ? Il pense qu'à ça. Lui, Sarko, tous, ils sont tous les matins, ils se disent, ça y est, je vais y arriver, tout ça. Donc évidemment qu'il y pense. Mais je crois que François Hollande déplacerait les lignes en disant, je ne veux pas me représenter, mais il peut dire, ou je passerai par des primaires. Mais le fait de dire, j'ai été président pendant 5 ans, c'est pour ça que je dois me représenter, ça, je trouve que c'est pas logique, et que vu l'état de la France, vu les problèmes qu'il a avec les Français, je dis pas que c'est complètement de sa faute. Il y a aussi une attente des Français qu'il a lui-même suscité, et c'est pour ça que ça marche pas. Je dis que ça serait décapant que quelqu'un dise, voilà, j'ai une tâche maintenant historique, c'est avec ce que j'ai en tête, essayer de sortir la France de la crise et d'aider que la France sorte de cette crise, et après, ce sera à d'autres d'essayer de construire ce que j'ai commencé à faire. Ce qu'il faudrait peut-être, alors c'est un septennat comme certains en parlent, revenir au septennat, mais un septennat avec un mandat unique. Ce serait J'en la solution. Sais rien, c'est pas une solution. Il peut y avoir des moments où un président se présente, il peut se représenter, c'est très bien, et il y a d'autres moments où un président ne devrait pas se représenter. Je veux dire, vous savez, c'est compliqué, on dit aux États-Unis, on peut pas se présenter après qu'on ait quitté. Ouais, mais alors si c'est une histoire de dynastie, on se présente pas, mais c'est la femme de machin, c'est le fils de machin et tout ça. Donc c'est pas aussi une grande différence. Il y a le système Poutine aussi, le Premier ministre. Ah ouais, bah lui, Poutine, si on se présente, là, mais ça, c'est ça. Là, ben, il serait content, Zemmour. La société Zemmour, c'est Poutine, ah voilà. Mais... Et il est content. Très mais Poutine, c'est beaucoup mieux que Cohn-Bendit. Ah bah, alors là, mon vieux, alors là... je te dis une chose. Ouais. Si tu préfères Poutine à Cohn-Bendit, moi je te dis, t'es un crétin fini. Bah voyons. Voilà, voilà. Je le dis simplement. Alors je vais vous dire, monsieur Cohn-Bendit. Hein. Peggy bon, disait... Peggy vous avez fait l'émission, on va partir, on va arrêter. Je peux répondre parce Bien que là... Sûr, bon. Peggy disait, l'ordre... Non, on n'aurait pas dû les lire. Je peux parler. Allez-y. Peggy disait, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Cohn-Bendit, en fait, il a poussé à la servitude des gens. Et seul l'ordre permet la liberté. La démagogie Cohn-Benditienne depuis 40 ans est inouïe, on l'a vu là en 30 secondes. Vous êtes le roi de l'époque, Cohn-Bendit. Vous êtes ici le maître. Depuis 40 ans, vous êtes non, Eric, le maître. C'est vous. Non, c'est pas moi. C'est vous aujourd'hui le roi. C'est pas de moi, c'est lui qui a fait l'époque. C'est pas c'est moi. C'est vous qui avez gagné aujourd'hui. Mais c'est lui qui a fait l'époque. C'est votre idéologie qui est majoritaire. Oui, mais c'est normal parce que c'est sa société qu'on voit à l'œuvre. Et sa société, elle part complètement. Vous êtes d'accord en C'est lui qui a gagné. C'est son idéologie qui a gagné. Ah non. Mais vous avez gagné, vous faites pas modeste, Cohn-Bendit. Vous dominez, vous régnez depuis 40 ans. Alors là, vraiment, vous êtes une icône du monde. Me ressemble. Qu'il est beau, le monde. Mais vous êtes unique. C'est formidable. Mais enfin, Cohn-Bendit, tous les slogans d'il y a 40 ans sont devenus les règles de la société. Vous avez vu un slogan, j'ai pas la photo sur moi, un slogan avant-hier à Hong Kong. À Hong Kong. La fameuse révolution des parapluies. La fameuse des parapluies. Soyez réaliste. Demander l'impossible. Voyez. En français, vous voyez. À Hong Kong. Bah vous voyez, c'est extraordinaire, vous avez les larmes aux yeux. C'était 3 étudiants de Hong Kong qui avaient passé 10 ans en France. Elles ont ramené ça à Hong Kong. Là, j'étais pas tout à fait le loser. Qu'est-ce que c'est non, bah, voilà, non, je ne pas dire. Mais en France, que aujourd'hui, en France, il a raison. Mais il évidemment, Léa, j'ai raison. Pourquoi c'est mais pas raison, vous avez gagné. Mais pourquoi c'est différent. C'est pas les majorités qui ont toujours raison. Mais c'est je suis pas d'accord. La majorité je suis d'accord. En tout cas, en démocratie, c'est comme ça. Bon. Et, en démocratie, c'est les majoritaires qui ont le gouvernement. Ben, oui. Mais le gouvernement n'a pas toujours raison. Ah, mais ça, c'est évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'en majorité, en démocratie, c'est comme ça. Ça ne veut rien dire. Non. En démocratie, c'est la majorité du peuple qui normalement l'emporte. Normalement. Non, mais ça ne veut rien dire. Mais si, l'emporte. Bah, c'est si, la majorité bah, si. Qui donne le pouvoir à une force politique. Ah oui, donc c'est la majorité qui a raison. Elle n'emporte pas. Mais non, c'est pas. En tout cas, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous l'aviez calculé, Laurent Ruquier, mais pour nous, enfin, je parle pour toi, on n'en a pas parlé, mais enfin, quelle expérience déroutante de lire la même semaine ces deux livres-là. C'est-à-dire qu'on peut difficilement, à part votre amour commun du football, vous n'avez strictement rien en commun. C'est diamétral. Vous êtes juifs tous les deux. Oui, mais on en parlera. C'est ce qui nous différencie et avec quelque chose de commun.
C'est très compliqué. On en parlera. Là, on en parlera si vous le voulez bien de votre rapport à votre judaïté. Mais sinon, sur toutes les questions essentielles, on dit qu'il n'y a pas de débat d'idées en France. On dit que c'est mou. Vous avez deux positions diamétralement opposées sur l'Europe, sur l'immigration, sur le rapport à la nation. Vous êtes absolument et à 180 degrés opposés. Et pour moi, ça a été une expérience hallucinante de lire, parce que finalement, vous avez à peu près les mêmes thèmes, vous abordez les mêmes thèmes, même si vous, vous parlez des 40 dernières années, vous, c'est sur une année 2013-2014. Mais en fait, vous dites, et c'est hallucinant comme ils sont absolument opposés. Je vous conseille la lecture des deux. J'imagine que la vérité est entre vous, entre le radicalisme outrancier de Zemmour et l'optimisme parfois angélique de Daniel Cohn-Bendit. C'est du centrisme mou, ça. Et pourquoi centrisme mou? Pourquoi la vérité est au milieu? Non, vous ne connaissez pas ça. C'est le copain de Cohn-Bendit, remarquez. Qui? François Bayrou, votre copain. Un moment. Ben oui, l'Europe vous rapproche. Il m'a traité quand même de tous les noms moment. Absolument. Veut dire donc c'est le genre de copain qu'on peut des fois éviter. c'est tout. Mais à part ça, c'est vrai que je trouve que François Bayrou à un moment dit des vérités. Même Zemmour en dit des fois. Ah ben c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. J'en ai relevé une ou deux dans son livre. Oui. Non mais par exemple, c'est trop bon, monseigneur. Mais moi, je vais faire une chronique sur le livre de Zemmour. Vous avez lu le livre de Zemmour ? Non, pas encore. Il vient de sortir. Mais je trouve que c'est un livre qui est à l'image. Ce que j'ai entendu là, je ne l'ai pas lu. Donc, ah bon, mais ce que j'ai entendu. Parce que... Mais il faut lire. Oui, mais je veux faire une chronique. Vous n'allez pas me faire le coup de couche. Et lui, il va faire une chronique sur RTL. Quand on parle de moi, j'aimerais qu'on me lise. Moi, quand je parle de quelqu'un, je lis. Quoi. Voilà, j'ai dit que je vais le lire. Mais j'ai rien dit. Voilà. Mais ce qui m'intéresse. Il connaît quand même ce que vous pensez, ce qu'on trouve. On connaît un peu. Quand on connaît vos idées, on les trouve dans le livre. Heureusement, vous n'allez pas trouver dans vos idées. L'émission Zemmour et machin. L'émission de télé, là. C'est Moreno? Non, je sais pas. Domenac. Ça se dispute? Non, celle que vous invitiez quelqu'un. Ah, c'est Moreno. Ils m'ont invité 10 fois. Il faut absolument... Et Zemmour veut absolument que vous veniez. Pourquoi? Parce que j'aime débattre. Je suis débile mental. Ah, j'ai jamais dit que vous étiez débile. Mais si. Ah, j'ai jamais dit ça. C'est tout le désordre du monde, c'est ma faute. Non, Daniel Cohn-Bendit, j'ai dit vous êtes le roi de l'époque. Le roi de l'époque. Voilà. J'ai jamais dit vous étiez débile. Roi de l'école. Non, non, ça m'intéresse puisque vous êtes un peu l'imam caché de mon livre. Puisque vous êtes le héros de mon livre. Puisque évidemment. De Dieu, de Dieu. Ben oui, évidemment. Ça, j'en ai entendu beaucoup depuis Georges Marchais. Mais alors là, imam, ça c'est formidable. Mais pourquoi pas rabbin? Ah non, parce qu'il est caché. Il est caché. Rabbin, je suis rabbin, je suis évêque, je suis imam. Ah, c'est formidable. Ah ouais, vous avez, mais c'est vrai que vous prêchez depuis 40 ans et vous avez endoctriné les esprits. Oh la vache.